nous allons voir les pays les plus chauds du monde. Comme vous pouvez l'imaginer, l'Afrique est fortement en baisse, mais plus loin, il y a aussi un aperçu de ce qui est le pays le plus chaud de chaque continent en fonction de sa température annuelle moyenne estimée. Avec le changement climatique et 60 ans qui se sont écoulés depuis le début de l'étude, les chiffres de température réelle sont probablement légèrement plus élevés maintenant, mais la situation générale devrait rester plus ou moins la même, même s'il est vrai que certaines parties du monde se sont réchauffées plus rapidement que d'autres. Numéro 5. Tuvalu, Océanie. Les cinq premiers sont complétés par Tuvalu, une autre nation insulaire du Pacifique. Avec une superficie de 26 km² seulement, il se classe au quatrième plus petit pays du monde derrière le Vatican, Monaco et Nauru. En termes de chaleur, Tuvalu connaît un climat similaire à celui de Kiribati, avec des températures oscillant entre 27 et 31 degrés Celsius la plupart des jours. Température annuelle moyenne estimée à Tuvalu. 28 degrés Celsius. Numéro 4. Djibouti, Afrique. Retour en Afrique, le continent le plus chaud du monde, pour notre numéro 4 commun. C'est la petite nation d'Afrique de l'Est de Djibouti où les températures moyennes se situent autour de 28 degrés Celsius. La ville de Djibouti est la troisième ville la plus chaude du monde après Bosaso et Assab, les seules autres villes à être plus chaudes. Une grande partie de Djibouti connaît un climat désertique chaud avec de précieuses variations tout au long de l'année. Cependant, il existe de petites régions montagneuses avec des villes qui connaissent un climat beaucoup plus frais, comme Erolab, où les températures moyennes quotidiennes globales se situent autour de 19 degrés Celsius. Température annuelle moyenne estimée à Djibouti. 28 degrés Celsius. Numéro 3. 3. Kiribati, Océanie. Le pays le plus chaud d'Océanie est Kiribati, qui n'est que de justesse derrière les deux pays d'Afrique de l'Ouest selon ces données. Situé au milieu du vaste océan Pacifique, Kiribati est une nation insulaire qui chevauche l'équateur avec un certain nombre de minuscules atolls répartis sur une zone assez vaste. La plupart des habitants de Kiribati vivent sur l'île de Tarawa, qui présente un climat typique des endroits situés sur l'équateur ou à proximité de l'équateur. Les sommets moyens se situent constamment autour de 31 degrés Celsius de janvier à décembre, les plus bas nocturnes planant un peu plus de 25 degrés Celsius. Température annuelle moyenne estimée à Kiribati. 28,2 degrés Celsius. Numéro 2. Mali, Afrique. Le Mali se trouve directement au nord du Burkina Faso, mais il s'agit d'un pays beaucoup plus vaste. Il est également enclavé, ce qui lui refuse toute brise océanique plus fraîche, mais contrairement au Burkina Faso, elle possède également une grande région saharienne où les mêmes vents secs du Sahara soufflent à travers le pays. Température annuelle moyenne estimée au Mali. 28,25 degrés Celsius. 1. Burkina Faso, Afrique. Selon les recherches de l'UEA, le pays commun le plus chaud du monde est le Burkina Faso, qui a enregistré une température moyenne de 28,25 degrés Celsius. Le principal répit se présente sous la forme de la saison des pluies au milieu de l'année, mais les sommets moyens sont supérieurs à 30 degrés Celsius au cours des 12 mois dans la capitale Ouagadougou et même la nuit, il est extrêmement rare de voir des températures inférieures aux hautes adolescentes ou au début de la vingtaine. Température annuelle moyenne estimée au Burkina Faso. 28,25 degrés.